aussi sa place dans le dictionnaire. Même moi, je me suis dit, mais attendez, comment déjà j'ai du mal avec la vocabulaire.
suis reconnue dans la langue française. Maintenant, yeah, c'est moi. Et donc, on va parler de ces personnes-là. Ces personnes que vous recommandez tous. Ces personnes aigries. Ces personnes ne sont pas contentes pour tout. Surtout pour des choses qui ne les concernent pas. Ces personnes qui râlent, qui râlent, qui râlent. Qui ont un chien qui s'appelle Ricard, trois gamins. Qui ont une vie qui est plutôt basique. Ces personnes qui vivent dans un quotidien, qui n'ont pas réellement de chamboulement dans leur vie, mais qui râlent. Qui râlent contre les IVG, alors que ce sont des hommes. Qui râlent contre les homosexuels qui veulent adopter, alors qu'ils ne sont pas homosexuels. Ces personnes ne sont pas contentes pour trois lettres. Alors c'est vrai, ça chamboule un peu. Il y a l'homme français, c'est vrai, on intègre maintenant, on va falloir conjuguer. On a déjà du mal. Il faut conjuguer, parce qu'il faut intégrer. Et c'est ça la beauté de notre pays aujourd'hui, c'est d'intégrer les gens, c'est d'évoluer avec les gens, c'est d'évoluer avec eux et c'est de les aimer, les intégrer, les reconnaître. Alors peut-être que ce soir, vous les hommes, je vous ai demandé beaucoup de choses. Mais moi je me pose la question, est-ce que ces personnes qui sont aigries, qui ne sont pas contents, ils ne sont pas contents réellement pour ces trois lettres ou est-ce qu'ils ne sont pas contents parce que ça va leur faire poser des questions sur eux-mêmes. Ils vont peut-être se poser la question de qui je suis réellement. Donc moi, je suis, pour conclure, je suis pour ce yel, ces trois lettres, qui au final vont vraiment arriver dans notre vocabulaire français, dans la façon de parler, elles vont arriver dans 30, 40 ans, on va vraiment parler en disant yel. Aujourd'hui, personne ne l'utilise. Sauf quand on a un petit doute.